Bonjour, bonjour et bienvenue sur Nipub. Chers abonnés, je vous remercie pour votre fidélité. Et toi qui n'es pas encore abonné, tu sais, c'est l'occasion de le faire. Ne passe surtout pas sur la chaîne. Je sais que tu es tombé par hasard sur Nipub, mais ne zappe surtout pas parce que tu risques de passer à côté des très, très, très belles choses. Laisse-moi donc te présenter aujourd'hui comment tu peux recycler la pulpe de carotte. Donc, lorsque tu utilises ton extracteur de jus, tu as la pulpe de carotte que tu veux jeter. Mais là, je te montre comment tu peux réaliser le masque du visage avec cette pulpe de carotte au lieu de la mettre à la poubelle. Donc là, c'est zéro déchet parce que tu feras un masque pour ton visage à base de ces fibres de carotte. Pour cela, tu as besoin dans ta recette de la fibre de carotte, bien évidemment. Il faut savoir que la carotte et la beauté font toujours très, très, très bon ménage. Ensuite, tu as besoin du miel et enfin de la farine. Ça, c'est les trois ingrédients qui composent cette petite recette. Voilà, tu mets en quantité et en proportion égale les ingrédients. Ensuite, il faut le mélanger. Et lorsque tu te rends compte que la pâte est assez dure, tu rajoutes un peu de miel pour la rendre homogène. Mais il ne faut pas qu'elle soit trop liquide ou alors qu'elle soit trop épaisse. Quand tu as la bonne texture, il suffit juste d'appliquer ton masque sur le visage. Tu laisses reposer pendant, allez, 10 minutes et ensuite tu obtiens un résultat magnifique parce qu'il faut savoir que la carotte en fait c'est l'ami de la peau, la santé et aussi de ton humeur. Tu sais, on dit il faut manger de la carotte pour être aimable, et c'est vrai et c'est très vrai parce que mangeant la carotte en utilisant également soit le jus de carotte, soit la pulpe de carotte pour faire tes masques, tu auras une mine inégalable. J'appuie sur inégalable. La carotte va amener à ton teint beaucoup de vitamines, notamment la vitamine A en grande quantité sous forme de bêta-carotène, et elle apportera également des vitamines du groupe B, de la vitamine K et contient un peu de vitamine C. Voilà, tu sais, presque tout sur la carotte. Je dis presque, pourquoi? Parce que je n'ai pas fait le tour vraiment de tous les bienfaits de la carotte, mais sache à présent que lorsque tu extrais ton jus à base de carottes, tu ne dois pas jeter les fibres de carottes. Ça te permettra de faire ton masque qui va te rendre étincelante. Voilà, voilà. Je te dis à très, très bientôt sur la chaîne Nipu pour plus de vidéos, pour plus d'astuces. N'hésite surtout pas à aimer, à laisser des commentaires si tu veux. Je ne force rien, mais ça fait toujours chaud au cœur. Et je te dis à très bientôt. Reste en santé. Ciao, ciao!